Salut à toutes et à toutes, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Resident Evil 4, où je prends le train. Voilà. Ça se fait la touche comme un malade là. Oh, il se passe quoi? Non, t'es. Ah putain, du début quoi. Wouah, pour une saloperie de trucs. Merde. Putain, je déteste vraiment cette putain de cutscene. Thank you.
jamais. Ok. Cette fois, il va arriver à monter peut-être. Enfin, j'espère. Je peux pas spammer la touche plus vite, connard! Je sais pas quoi faire, hein. Je peux pas spammer la touche plus vite que ce que je le fais là. Et à chaque fois, je dois recommencer.
fait s'ils tombent dans le wagon là, ils sont bloqués après. J'ai déjà spammé, commencé à spammer avant. J'ai commencé à spammer le bouton avant qu'il me le demande. Hein. Juste pour info. Comment tu fais pour monter ce putain de rebord? Voilà. Je vais pas faire un full épisode, je fais du train quoi, merde. Du coup je vais couper là, et je vous reprends quand je serai arrivé à remonter ce putain de rebord, hein, c'est tout. Et nous revoilà, donc j'ai enfin réussi, je sais pas combien de fois j'ai essayé, une dizaine hein, avant d'y arriver. En spammant comme un malade, j'ai aussi essayé de quitter le jeu, de revenir. Du coup, j'ai refait toute une partie, donc j'ai pu vendre tout ce qu'il y avait avant le train. Je suis retourné faire une sauvegarde au marchand juste avant, exprès, pour pas avoir tout à refaire à chaque fois. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc qui va mal tourner. Pas des insectes, des parasites là, non? Bon, tant pis. Tant pis, tant mieux pour moi. Et voilà, et je suis revenu juste là. Pas combien de temps j'en étais hein, sur le. Ah, hop, on passe au chapitre 4-4, c'est pas magnifique ça. Il m'a compté une seule mort. Oui, puisque j'ai quitté le jeu et je suis revenu, c'est pour ça qu'il m'a compté qu'une seule mort. Ah bon, une mort pour ça, moi ça me suffit. Hein. Franchement, c'est abusé quoi. C'est pas mal de malade juste pour. C'est vrai qu'il y a encore cette partie-là à faire. Ah, je viens de sauvegarder, on va éviter de faire ça en boucle. Yes, des balles de magnum. Alors au passage j'ai amélioré le snipe, alors j'ai amélioré le magnum au final, hein. J'ai amélioré celui-là, parce que je sais plus s'il y en a un autre ou pas. Eh bah. Ben. Je suppose qu'il se sent trop petit pour C'est bon, il y a un cadenas sur la porte au fond. Ouais, je peux le tirer d'ici. Cool. Je vais aller quand même fouiller les étages. Je sais plus pourquoi il faut fouiller les étages, mais je sens qu'il faut fouiller les étages. De toute façon, je fouille toujours tout. C'est pour ça qu'il faut fouiller les étages. Allez, un petit jeu suplex là.
comment c'est réaliste. Hein. Le mec il me laisse pas le temps d'arriver, il me tatane la gueule. Rien du tout. Bon, attends. Le problème c'est que l'argent du boss va disparaître aussi. J'appelle ça des cutscenes, mais les scènes. Parce que le mec, quand on va là. Le problème, c'est que je spam comme un malade avec la main droite, sauf que je peux pas cliquer avec la main droite en même temps sur la souris. Je n'ai pas tombé parce que j'aurais ragé. Une sauvegarde juste derrière, tu me rassures? Même pas. Je sais plus au niveau du temps où j'en suis. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry.
We've prepared a special ritual for you. Et voilà, bon, je vais m'arrêter ici, hein. L'épisode sera en deux fois, enfin, je serai coupé au milieu à cause de la cutscene, je sais plus si c'était cutscene, je sais même pas comment ça s'appelle en vrai, mais ça me saoule, voilà. Bref, si vous avez aimé cet épisode, hein, me voir galérer de ouf, hein, sur ces scènes, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Léo. Salut tout le monde! Hey, watch out!